à tous. Ce soir, le HCA affrontait Holton au Voïbe. Les Journées Noires ouvraient le chemin des buts grâce à Mathias Yogi à 2 minutes du coup d'envoi. Les souris ne tardaient pas à égaliser, mais le HCA ne se laissait pas abattre et Victor Barbero remettait les pendules à l'heure. Le deuxième tiers commençait sur une frayeur pour les Vuivres puisqu'un pénalty était sifflé contre Ajoie. Heureusement, Troutman visait à côté. Les choses se corsaient très rapidement au tout début du troisième tiers puisque Holton inscrivait 2 buts d'affilée. Le HCA était désormais mené 4-2. De Vos réduisait la marque à 9 minutes de la sirène finale, mais cela ne suffisait pas. Les meilleurs joueurs de la rencontre étaient Philippe Michael De Vos et Jiří Polanský. Bravo à Steve Simon qui remporte ce soir l'étoile du match. Yann Maziman nous a rejoint pour nous parler de cette rencontre. Alors match serré ce soir, qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que c'était des petits détails qui ont fait la différence. On n'était pas très conséquents à son défensif. On ne fait pas bien le premier passe et ouais, je pense que c'était ça. Début de troisième période difficile ce soir? Oui, aussi. Je pense qu'on était un peu peur pour gagner. Je ne sais pas pourquoi. On a maintenant 11 victoires. Dans 13 matchs, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas confiance pour être nerveux pour ça. Et ouais, c'est chiant. Et justement, avec cette défaite, il sera difficile d'aller chercher la 4e place? Oui, ça va être difficile, mais on a encore, je pense, 4 matchs à la maison. C'est clair qu'on veut gagner 7 matchs et à l'extérieur, on a aussi la chance pour gagner. Après, on verra. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve pour le match de mardi. À bientôt, bye bye.